Bonjour tout le monde, c'est Guanale et on se retrouve pour un petit tuto explicatif parce que j'ai trouvé cette question-là sur beaucoup de forums et je tenais vraiment à le dire haut et fort, hein. Comment on change la capacité et le prix d'un mode sur Farming? C'est très simple, mais faut le savoir. Donc c'est une manipulation assez simple à faire. Mais voilà, faut le savoir et je vais vous l'expliquer. Alors si c'est un petit peu mal cadré, c'est parce que voilà, je filme que la moitié de mon écran. Donc forcément, c'est pas pareil, mais vous allez peut-être comprendre même mieux en ayant moins d'espace, donc vous allez sans doute mieux comprendre. Donc ça c'est le mode tel qu'on le reçoit quand on l'a téléchargé. Donc on fait extraire tout. Donc clic droit, extraire tout. Quand il nous affiche ça, on fait bah, extraire, hein, normal, c'est ce qu'on veut. Voilà, on l'extrait et il nous arrive sur notre écran. Après celui-là, donc on peut s'en débarrasser. Donc supprimer. Celui-là. Allez, voilà, on va l'ouvrir. Et il nous affiche ça. Alors, dans tous les modes, quel que soit le mode, tous les modes, il y a deux d'XML. Donc en point XML, hein, vous pouvez voir point XML. Et là, c'est marqué fichier XML. Là, c'est marqué fichier XML. Et là, si ça vous affiche les extensions, c'est marqué XML. Donc il y en a forcément deux. Si vous faites un clic normal, vous n'allez pas réussir à les ouvrir. Il faut faire clic droit, ouvrir avec. Et là, vous pouvez choisir bloc-notes. Bloc-notes, je trouve que c'est assez bien fait. Donc, moi, je choisis bloc-notes. Donc, il y en a deux. Donc, il y a le mode desk, donc celui que je viens d'ouvrir, et un autre qui porte le nom du mode. Dans le mode desk, on va changer le prix. Donc, généralement, c'est tout en bas. Donc, là, on a, voilà, le price. Donc, c'est d'anglais, hein, prix, en français. On sélectionne tout. On met, moi, par exemple, je mets 0. Donc ça va me coûter 0 euros dans le jeu. Donc price voilà 0, croix, enregistrer, ça l'est enregistré. Après on ouvre l'autre. J'ouvre l'autre. Donc là on a plein de trucs. Généralement la capacité c'est à la fin. Alors je suis peut-être trop descendu là. Voilà capacity. Donc capacity, hein. Là, on va mettre 9. Alors, je tiens à préciser, il ne faut absolument pas enlever les petits signes que vous avez là ou là, parce que tout simplement, ne va pas marcher et on pourra rien mettre dedans. Donc, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut vraiment que les chiffres du milieu, les sélectionner et les supprimer, puis mettre autre chose. Donc, voilà. Alors après, s'il vous met dans la description, donc enregistrer, s'il vous met dans la description, voilà, le mode coûte tant, le mode coûtera le prix affiché. Je tiens à le préciser. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est bon, donc tout notre, donc on a changé tout, mais on ne peut pas le mettre comme ça dans le jeu, puisque si on le met comme ça dans le jeu, bah, ça ne va pas marcher. Donc on sélectionne tout, on fait un clic droit. On fait ajouter à l'archive. Donc moi j'ai WinRAR hein. Avec 7 zip, c'est exactement la même chose. On fait donc on choisit en point rare ou en point zip. Farming accepte que les points zip, donc on va le mettre en zip. Et on fait OK. Donc on attend un petit peu, voilà, c'est bon. Donc on arrive comme ça, machin. Donc là, c'est bon. C'est bon. On l'enlève de là-dedans. Et voilà. Alors, la manipulation à ne pas faire, c'est de faire ça, tac, et ajouter à l'archive. Puisque, regardez, si j'ajoute à l'archive, voilà, donc nickel, ça va me faire une archive qui est rendue je ne sais où. Ça va me faire une archive. Alors là, pourquoi, pourquoi ça me... Alors, attends, moi que ce soit cette archive-là. Non, non, bah je sais pas où est l'archive. Mais en tout cas, si vous mettez ajouter à l'archive de ce mode-là, ça ne va pas marcher. Il faut tout sélectionner et faire, voilà, ajouter à l'archive, puisque sinon, ça va faire juste une archive du dossier. Et donc, quand vous allez ouvrir ça, au lieu d'avoir ça,
vous allez avoir le dossier, et quand vous allez ouvrir le dossier, vous allez avoir tout ça, enfin tout l'intérieur, en gros, tous les composants. Voilà, après ça, on peut le supprimer, et voilà. Donc ça, après, voilà, vous mettez comme un autre mode dans My Game, Farming, enfin voilà, c'est vous qui choisissez après, où vous le mettez. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, continuez à me suivre. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Et puis voilà, un petit like, un petit... voilà, c'est tout, ça fait tout de suite plaisir. Donc merci à tous et à plus tout le monde.